Merci pour tout, ciao. Allez-vous-en, allez-vous-en, par pitié, sortez de chez moi. Partez, et vous avisez plus de recommencer. Quelle chance d'avoir un frère formidable qui se souvient de mon anniversaire. Ah, j'ai un frère qui se souvient de l'anniversaire de sa soeur. J'ai beaucoup de chance, mais d'un autre côté, c'est un terrible malheur, parce que comment on peut oublier son propre anniversaire? Ne te mets pas dans cet état, parce que moi, ce n'est pas grave, Blanche, j'ai oublié moi aussi. Ah, pareil, tu as été horrible avec moi. Horrible, tout à fait horrible. Vraiment oui. Horrible. Moi, je m'en souvenais, je ne savais pas exactement quel jour c'était, mais la surprise m'a fait tellement plaisir. Je m'en souviens plus, mais je ne comprends pas comment ça a pu m'échapper, hein. Et maintenant, je... C'est pas grave, ne vous en faites pas, le plus important, c'est que je me suis éclatée comme une folle. Oui, bon, c'était pas mal, mais... Tu dis carnaval? Quel carnaval? Il y a eu un carnaval. Oh non, elle fait une rechute. C'est déjà un carnaval? Non, ne te préoccupe pas de ça. Maintenant, je t'explique. Il y a un ballon de baudruche, c'est quoi cette fête? Un bol de café et 6 aspirines, apporte-les-moi en... D'accord, tout de suite. Pourquoi j'ai pas été invitée à la fête d'anniversaire? Moi, j'aurais bien aimé y aller. Quel dommage, hein? Ciao. Quel dommage d'avoir manqué la fête, mais bon, personne ne m'a invitée. Rida? Je suis bonne actrice. Excellent. Je vais apprendre beaucoup à tes côtés. Je suis fatiguée de faire semblant de ne pas pouvoir marcher, j'en ai marre. Mais tu vois, maman m'a demandé de tenir parce qu'elle a besoin de mon aide. Pourquoi elle a besoin d'aide? En gros, elle a dit que si elle se faisait pas passer pour une folle et moi pour une paralysée dans ce fauteuil, Alexandre va la quitter et nous mettra dehors. Oui, je comprends bien, mais ta mère doit trouver un autre moyen de résoudre ses problèmes. Tu peux pas continuer à faire semblant juste pour l'aider. Je sais, Fito, pourtant... Et pas de pourtant qui tienne. Plus de fauteuils, plus de comédies stupides. Tu m'as bien compris. Oui, mais comment... C'est pas si facile, je peux pas passer pour une handicapée et après... Ah si, je marche en fait, c'est ridicule. Mais bon, du calme, il y a toujours une solution. Tonton Fito est un homme à penser. Et comment tu penses pouvoir m'aider, hein? On lui explique. Laisse-nous nous en charger. Merci, oncle Fito. Non, en fin de compte, je n'ai pas parlé avec Blanche. Alors comme ça, tu n'as pas pu? Non, parce que j'avais complètement oublié, c'était son anniversaire. Mais Fito est venu, c'est son petit frère, son petit frère est venu. Avec plein de monde, plein de musiciens, il y avait de la musique, le carnaval carioca, enfin tout quoi. Tu vois le tableau? Oh, c'est pour ça que j'entendais de la musique. Je t'entendais pas du tout, le volume était si fort. Oui, c'était... Il ne m'a pas paru prudent de lui dire le jour de son anniversaire, tu vois, enfin que je suis avec toi. Oui, tu as raison. Comment lui avouer une chose pareille, pile le jour de son anniversaire? En ce moment, tu sais, je pense que la fille la plus enviée de toute notre école, c'est toi. T'es sincère, Pia? Oh, idiote, bien sûr que oui. Tout le monde parle de toi à l'école et d'après ce que j'ai entendu, ils pensent que tu es une déesse. Et tu sais, Emma, je partage leur opinion. J'imagine qu'Antonella ne bondit pas de joie, hein? En fait, elle n'a rien dit. Tu sais pourquoi? J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jalouse de toi. Je pense surtout qu'elle t'envie. C'est normal, après tout. Vu que toi, tu connais des gens top. Tu fais partie de l'élite. Ouais. Toi, tu connais Belinda, Shakira et Lindsay Lohan? Lindsay Lohan. Oui, tu as raison, Lindsay Lohan. Et tu vas me les présenter toutes les trois? Oui, toutes les trois. Génial, promis, hein, croix de bois, croix de fer. Ah, t'es génial, stunner, stunner. Eh bien, regarde qui est là. Oh. L'oncle Danto, ce gars est une bombe en puissance. Je t'abandonne, je vais aller jouer avec lui. Oh, pardon. Emma. Qu'est-ce que tu fais là? Non. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Thank you.
Salut, Patricia. Salut. Ça me fait très plaisir que tu sois là. C'est vrai, t'es content? Mmh. Ouais. Je pourrais faire quelque chose que je meurs d'envie de faire depuis longtemps.